Il était attendu. Le concours de l'Eurovision Junior a eu lieu ce dimanche 19 décembre à Boulogne-Billancourt. Pour cette occasion spéciale, ce sont 19 candidats qui se sont affrontés. Mais lequel a réussi à se démarquer? Téléstar vous en dit plus. Suite au vote du jury, la France était en première position avec 120 points. En seconde position se trouvait la Pologne avec 116 points et elle était suivie de l'Arménie avec 155 points. Un classement qui a laissé beaucoup d'espoir à Enzo, le représentant de la France pour cette occasion spéciale. Par la suite, c'est l'Ukraine qui est passée en tête avec 125 points, suivie du Kazakhstan avec 121 points. Toutefois, lors du classement final et suite au vote du public, c'est l'Arménie qui a pris la première place et a donc remporté cette édition 2021 de l'Eurovision. Le pays était représenté par Malena, une adolescente de 13 ans. Une compétition de taille. Après 2 heures de spectacle, c'est finalement Malena Fox qui est parvenue à se démarquer. La chanteuse devait participer à l'édition 2020 avec une chanson intitulée Why, mais elle avait dû annuler sa participation. La raison ? La crise politique qui sévissait à l'époque entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Elle a donc tenté sa chance en 2021 avec le titre Kami Kami. Un choix qui lui a permis de remporter le concours de l'Eurovision Junior. La jeune femme n'y croyait pas jusqu'à la dernière minute. Alors que le classement ne cessait de changer, elle a eu la bonne surprise de se voir accorder plus de 224 points, ce qui lui a permis de prendre la tête. Très émue, Malena Fox a interprété sa chanson une nouvelle fois mais n'est pas parvenue à la terminer. Je suis désolée, je ne peux pas m'arrêter de pleurer, a-t-elle affirmé sur scène. Un rêve qui devient réalité pour elle. Eurovision Junior 2021, à quelle place a terminé la France? Après une soirée riche en émotions pour les 19 participants, le classement final a été dévoilé. L'Arménie a remporté 224 points et était suivie de près par la Pologne, représentée par Sarah avec 218 points. Concernant la France, Enzo est arrivé en troisième position avec 187 points. Il était toutefois premier des votes des jurys. Une soirée qu'il n'est pas près d'oublier. Loading Widget.